L'islam, il a donné beaucoup d'intérêt à la filiation, que ce soit la filiation physique ou la filiation spirituelle. Il y a toujours un lien qui te lie à quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut toujours que tu aies une reconnaissance de ta filiation, que ce soit physique ou spirituelle. Shaitan, la'anahullah, il veut toujours couper ces liens, que ce soit avec tes parents ou bien tes ancêtres, que ce soit avec tes chouyours ou bien les gens qui t'enseignaient ta religion. Et ça, c'est un combat qui existe toujours et qui va toujours exister. Et cette filiation, c'est un moyen de reconnaissance. On reconnaît le bien des autres qu'ils ont sur nous. Et ça, vous êtes bien placé pour le savoir dans la société occidentale. On fait beaucoup d'efforts pour couper ces liens. C'est-à-dire, une fois les jeunes mis en place, ils veulent toujours couper les liens avec les vieux ou bien avec les parents. Puis ils ne servent plus à rien. Et puis on les jette dans des maisons de retraite. Et c'est nous qui comprenons, c'est nous les jeunes, et les vieux, ils ne savent plus rien, ça y est, ils sont dépassés. Et ça, c'est une guerre qui existe entre la lumière, entre les ténèbres. Et cette guerre, on la vit maintenant. Ce qu'on vit dans notre société, parlons de la société occidentale, c'est une guerre qui ne peut pas être gagnée que par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que on peut rien faire frontalement. C'est une guerre qui peut être gagnée qu'avec la lumière d'Allah. Il faut utiliser toute sa concentration, son pouvoir, son énergie pour s'orienter à Allah. Pour s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne rien gâcher de cette énergie en essayant de combattre le mal, soi-disant. Donc le mal, on ne peut pas le combattre, on ne peut pas gagner cette guerre frontalement. On la gagne si on s'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et toujours, toujours, les soldats du mal, ils ont voulu couper ces liens. Ils ont essayé aussi frontalement. C'est-à-dire toujours l'ennemi de l'islam et de la religion en général a essayé de couper ces liens, que ce soit avec Allah ou que bien soit avec nos enseignants, que ce soit avec nos parents. Ils ont essayé frontalement et ils ont essayé d'une autre manière. Il y a d'autres soldats qu'ils ont inventés et qui se sont immiscés dans notre société au nom de l'islam, en essayant de couper ces liens. L'islam, tu n'as pas besoin d'enseignants. Tu veux l'islam, tu achètes des livres. Donc là, ils essayent de couper ce lien au nom de l'islam. Et ils te disent que le cheikh ou l'enseignant, tu vas l'adorer, ça sera du shirk. Et tout ça, c'est un fervent défenseur de l'islam et
et de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait. Tu t'attaches à personne, il faut s'attacher à Allah, il faut, quand tu vas chez Saint Cheikh, tu vas l'adorer, il devient un dieu, et tout ça, tout ça, tout ça, au nom de l'islam pour couper. Ils veulent aussi couper les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils vont dans les mosquées, alors le dhikr d'Allah c'est haram, la lecture du Coran c'est haram, et ça on l'a vécu dans notre société. Par exemple, je parle du Maroc que je connais, beaucoup de choses ont été supprimées des mosquées par ces gens-là, au nom de l'islam. Donc ils ont combattu le cheikh, le savant, ils ont combattu le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait toujours après les prières, il y avait des dhikrs qu'on faisait, il y avait les lectures du hizb du Coran, un hizb le matin, un hizb le soir. Ils n'ont pas tout à fait réussi, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, mais ils ont essayé de couper. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent arrêter la lumière du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des shaitans, c'est des soldats de shaitans qui sont habillés avec un habit islamique. Donc l'islam, il essaie toujours de consolider ces liens qu'on doit avoir avec nos parents et les gens qui nous ont transmis notre religion. C'est-à-dire l'islam, il n'est pas venu du ciel. C'est nos parents, et nos enseignants et nos chouyours qui l'ont transmis jusqu'à nous. Et le khatm, au fait, c'est on fait des doigts pour les gens qui ont permis à cet islam, ou bien à cette lumière, ou bien à ce dhikr d'arriver jusqu'à nous. Si on est là à dire, réciter l'adhkar, qui c'est qui a ramené tous ces adhkars et tout? Ce n'est pas venu du ciel, c'est des gens qui ont veillé pour que ce soit protégé, pour que ça arrive chez nous. Et le khatm, c'est ça. Et quand on fait al-khatam, pas al-khatam, quand on parle de quelqu'un en général, il faut avoir la conviction que son esprit se présente à nous. Ça, c'est même scientifiquement, c'est prouvé. Que quand on parle d'une personne vivante ou morte, son esprit arrive, nous rend visite. C'est pour ça, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'avais dit une fois, c'est pour ça que le ghaiba, la médisance, elle est prohibée. Pourquoi la médisance, elle est prohibée? Nous, on a tendance à croire que quand on parle de quelqu'un en mal, c'est on lui fait du mal. En fait, on lui fait rien du tout. Le mal, on se le fait, nous. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit, ne fais pas de médisance sur les gens, ça veut dire que ça va t'apporter du tort. Ça veut dire que quand tu parles de quelqu'un, son esprit se présente, mais tu parles de lui en mal. Donc, quel côté d'esprit qui va se présenter, c'est le côté négatif de la personne. Donc, tu vas être irrigué de ce mal, de ce côté négatif de l'esprit de la personne sur qui tu as fait de la médisance. Donc, quand tu parles de quelqu'un, son esprit se présente à toi. C'est pour ça que les gens qui connaissent cette réalité spirituelle, quand ils parlent, par exemple, de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ne peuvent pas parler de Sayyidina Muhammad allongé ou bien dans n'importe quelle position, ou bien sans wudu, sans ablution. Dès qu'ils parlent, et ça, tu le remarques chez les gens d'Allah, dès qu'ils parlent de Sayyidina Muhammad, tu vois qu'il fait attention à sa position, comment il est assis, comment ses pieds sont tendus, il ramasse, il range ses pieds, parce qu'il dit que quand je parle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad est là. Et s'il est là, on doit avoir la posture convenable et adéquate avec la personne de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina l'imam Malik, quand on parlait de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des fois il s'évanouissait. Et puis quand on le réveillait, on lui dit: qu'est-ce qui arrive? Il dit: je vois ce que vous ne voyez pas.
C'est tout ce qu'il leur disait. Je vois ce que vous ne voyez pas. Et une fois, il marchait avec un savant. Et ce savant, ils marchaient tous les deux. Et ce savant, il a posé une question à Sayyidina Imam Malik pour un hadith. Il a dit, tu connais le hadith qu'a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et Sayyidina Imam Malik, il s'est arrêté sec comme ça. Il a dit, je te respectais beaucoup, mais je ne croyais pas que tu aurais l'audace et l'incorrection de parler de Sayyidina Muhammad en marchant. C'est quoi ce manque de respect? Et il est bien connu que Sayyidina Imam Malik, il marchait dans Médine sans chaussures. Pieds nus, il dit, je ne peux pas marcher avec des chaussures sur un terrain sur lequel Sayyidina Muhammad a marché. Et quand il recevait la visite de quelqu'un, il sortait. Quand on frappait à sa porte, il sortait. La personne lui dit, j'ai une question, mon cher, j'ai une question à te poser. Il lui dit, c'est une question de jurisprudence, est-ce que tu me parlais de hadith? Si c'est une question générale, je te réponds. Si c'est du hadith, attends. Je rentre, je me lave, je me parfume, et puis on parle de hadith de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça nous pousse et devrait nous pousser à croire et à penser que la mort, au fait, n'existe pas. Qu'il y a différentes formes de vie. Soit on vit avec notre corps, soit le corps n'est plus apte à porter cet esprit. Il revient à la terre, mais l'esprit, il est là. Donc, quand on cite le khatam, quand on cite les shuyukh qui nous ont transmis la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, les lumières de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à nous, donc on doit être sûr que les esprits des shuyukh se présentent l'un après l'autre, cheikh après cheikh. Dès que tu cites un cheikh, tu dois être sûr qu'il se présente. Et tu fais du dua pour lui. Et quand tu fais du dua pour un cheikh, qu'est-ce qu'il fait lui? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Merci. Qu'est-ce qu'il fait, cher? Hein? Si on fait un doigt pour lui, lui, il fait combien de doigts pour nous? Il n'y a pas plus généreux que les hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais, la terre sur laquelle on marche, sur laquelle on crache, sur laquelle on fait nos besoins, quand tu lui jettes une graine, qu'est-ce qu'elle te donne? Un arbre. Une graine, il te donne un arbre avec des fruits, avec son ombre. Ça, c'est la terre sur laquelle tu marches, tu traites avec mépris. On doit être persuadé que les hommes d'Allah valent au moins mieux que la terre. Donc, si tu jettes un doigt, ou bien un verset que tu leur offres, qu'est-ce qu'ils nous rendent? Nous, on ne voit rien. Mais, Andallah, Yawm al-Qiyamah, il viendra et te dira, tu m'as fait du doigt. Régulièrement, tu me faisais du doigt et je vais pas te lâcher maintenant, je ne vais pas t'oublier. Et les esprits des awliya et de toute personne, chaque wali et chaque personne a une spécificité à lui. C'est-à-dire les esprits ne sont pas pareils. Tous les esprits des hommes sont différents. Même des awliya, ce n'est pas les mêmes esprits. Et il y a des différences entre les esprits des awliya. Chaque wali, il a une spécificité. Et il se trouve qu'on a des affinités, qu'on peut avoir des affinités avec ce... Hein, on peut avoir des affinités plus avec des chouïours que d'autres.
Ça veut dire si tu rencontres les chouïours de la Silsila, ça ne veut pas dire que tu vas avoir les mêmes affinités avec tout le monde et la même entente avec tout le monde. Et ces liens, quand tu évoques ces esprits, ton esprit s'attache plus ou moins à des esprits des Aulia. Et ça, Aulia Allah le voit. Vois quand tu as une affinité, une attache spécifique avec un certain wali. J'ai dans mon cheminement, Moulay Abdelaziz Dabbagh, radiallahu anhu, je ne sais pas si vous connaissez, il m'a été d'une très grande utilité. Et j'avais un amour, un très grand amour pour ce cheikh, et je l'ai toujours d'ailleurs. Et ça, c'est un secret que personne ne savait et ne connaissait. Moulay Abdelaziz Dabbagh, il m'a beaucoup appris sur le cheminement, ce que c'est qu'un cheikh, comment cheminer, comment se comporter. Et même mon cheikh ne le savait pas, ça. C'est-à-dire, c'était un tournant extraordinaire dans mon cheminement. Et j'avais cet amour, ce grand amour et ce grand esprit enfoui au fond de mon cœur. Personne ne le savait. Une fois, j'étais avec Sidna Cheikh Al-Ajab, on a rendu visite au mausolée de Moulay Abdelaziz Dabbagh. Alors on est allé, on a visité, on a lu un peu de Coran, on est parti. En repartant, Cheikh, il était sur sa chaise roulante, il y avait un frère qui poussait, j'étais à côté de Cheikh. On s'est arrêté quelque part pour attendre la voiture qui devait nous ramener à l'hôtel. Et Cheikh, il me regarde comme ça. Il m'a dit, tu l'aimes beaucoup, hein? Tu l'aimes beaucoup? Je lui dis oui. Mais ça peut se voir comme une infidélité. Mais j'ai reconnu mon tort, si j'ose dire. Il m'a dit, tu l'aimes beaucoup? Comment il a su que je l'aime beaucoup, qu'il y avait ce lien, qu'il y avait cet attachement particulier avec ce cher? Donc, le monde des esprits, le monde de Roh, c'est la seule vraie réalité de la vie. Cet obstacle du corps, c'est quoi le corps? C'est rien. Donc, il y a des liens qui se créent particuliers avec des chouïours. Il y a des frères qui peuvent voir les chouïours un par un. Il y a des frères qui voient quelques cheikhs, qui ne voient pas d'autres. Il y a des frères qui voient aucun cheikh, comme moi. Je ne vois personne. Est-ce que ça doit m'empêcher de croire en ce lien particulier qui se crée avec ces chouïours que je cite quotidiennement? Non. Aucun doute. C'est bon? Tu as ta réponse? Alhamdulillah. Et Roh, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit: Wa idan nufusu zuwijat. Quand les âmes se marient ou bien s'épousent, ça veut dire que. Qu'il y a des esprits qui ont des complémentarités. Tu sais, comme en médecine, t'as une molécule chimique ou bien un médicament qui vient chez un récepteur et puis qui trouve sa place pour se mettre dans ce récepteur. Ça veut dire la forme, les formes se complémentent. Donc, nufus zuwijat. Quand tu vis et tu t'attaches à des esprits ou à des personnes, ce lien reste. Ce lien reste et tu le vois avec certitude le jour de ta mort. Quand tu meurs, ton esprit rejoint son bien-aimé. Donc, fais attention à qui tu aimes. Parce que la personne à laquelle tu t'attaches,
tu seras attaché, si j'ose dire, pour l'éternité. Et dès que l'esprit sort de ton corps, il cherche son bien-aimé. Alors, si tu t'attaches à la vie ou bien au matériel et l'argent, et l'esprit, il sort, il va où? Hein? Il va nulle part, il reste. Tu es attaché au matériel, tu restes dans le matériel, par terre. Inna kitab al-fujjar ila fi sijjin. Sijjin, ça veut dire le fond, ça veut dire les esprits des hommes loin d'Allah. Ils ne montent pas dans le ciel, ils restent au fond de la terre. Inna kitab al-abrar ila fi 'illiyin wa ma adraka ma 'illiyun. Et il y a des esprits que quand ils sortent, ils vont où? Allah. Alors cet esprit ne peut arrêter ni par ange, ni par wali, ni Allah. Il y a un wali qui a eu une vision. Et il a vu plein de walis. Et là où ils sont, leur esprit et leur endroit, ou leur demeure. Et à la fin, il a posé une question à Allah. Il dit, oh Allah, j'ai vu tous les walis, mais j'ai pas vu Abu Yazid. Où est-ce qu'il est Abu Yazid? J'ai vu les walis et leur demeure. Où est-ce qu'il est Abu Yazid? Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu. Il lui a dit, tout le monde demandait de moi et je lui ai donné ce qu'il voulait. Sauf Abu Yazid, il me demandait moi et il est chez moi. Tu ne peux pas le voir. Donc, c'est une possibilité qu'il y ait un esprit roh qui demande Allah et rien qu'Allah. C'est possible. Donc, ces affinités se créent. Donc, fais attention à qui tu aimes. Dès que ton cœur s'attache à une personne, fais attention. Sayyidina Omar, il avait un dua. Il disait, Allahumma la taj'al li fasiqin indi yadan fayuhibbahu qalbi. Oh Allah, fais en sorte qu'une mauvaise personne ne me fasse pas du bien, parce que s'il me fait du bien, je vais m'attacher à elle. Et si je m'attache à elle et je l'aime, c'est un danger pour mon cœur. Parce que dès que tu aimes une personne, tu lui ouvres ton cœur. Dès que tu aimes une personne, tu lui ouvres ton cœur. Et ça, vous devez faire attention quand vous êtes dans le chemin du dhikr et de la purification. Le frère, il fait son dhikr. Et puis, il se sent bien, il fait dans son dhikr tranquille. Il trouve un certain équilibre, si j'ose dire. Et puis, à un certain moment, tout bascule. Il dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu as rencontré quelqu'un et ton cœur a penché vers cette personne. Tu t'es attaché à quelqu'un. Cherche. Il y a un frère qui est venu chez moi, il m'a dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Tout allait bien. Mon dhikr devient difficile, mes assises deviennent difficiles, je fais tout difficilement. Qu'est-ce qui m'arrive? Je lui ai dit, tu t'es attaché à quelqu'un. Quelque chose s'est passé. Qui tu as vu? Qui tu as rencontré? Il m'a dit, j'ai rencontré un vieux amour. Une fille qu'il avait connue dans sa jeunesse. Elle dit, voilà. Elle est rentrée dans ton cœur. Et il a remué, hein, des vieilles saletés. Pour être correct. Donc il faut faire attention à qui on s'attache. C'est pour ça que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours insisté sur ses compagnons pour qu'ils l'aiment, lui. Qul in kana aba'ukum. Tu connais Hafid l'aya? قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم
ها أموال اقترفتموها وتجارة ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله سبحانه وتعالى ils appellent فاسق. Comment on peut les فاسق? Des déviants, des loin du chemin. Tout homme qui aime s'attache à des gens ou bien un bien ou bien des personnes plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on s'attache aux hommes ou bien on s'attache à Allah plus. Si je te demande, qu'est-ce que tu aimes le plus? Hein? الله يستر علينا الله يستر علينا si ta femme te réveille la nuit, te dit j'ai mal, j'ai besoin de médicaments, t'as pas de médicaments, qu'est-ce que tu fais? Tu dors, Brahim? Et tu le trouves le médicament ou tu le trouves pas? Tu le trouves. Et si je te dis réveille-toi pour évoquer Allah, je suis fatigué, je peux pas. Donc, qui tu aimes le plus? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Donc, le khatam, il faut le lire. Pas le lire, ça veut dire l'écouter. Ça crée ce lien. Il faut vraiment penser qu'on fait dua pour nos ancêtres et nos awliya. Et d'ailleurs, même pour les parents, il y a un hadith qui dit celui qui ne fait pas de dua pour ses parents après chaque prière est écrit comme un désobéissant. Aq. Ma barra walidayhi man lam yad'u lahuma aqiba kulli salat. Après chaque prière, Rabbi ighfirli wa li waliday, Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfir li wa li walidayi, Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfir li wa li walidayi, Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ça veut dire que comment tu veux reconnaître le bienfait d'Allah ou le bienfait des gens d'Allah qui t'ont transmis la religion si tu ne peux pas reconnaître le bien que t'ont fait tes parents qu'ils t'ont donné la vie? Et tu es incapable de faire dua pour eux. Donc, Inch'Allah, on n'oubliera ni nos parents, ni nos savants, ni nos maîtres. On fera toujours du dua pour eux. Parce qu'ils en ont besoin. Hein? Parce qu'ils ont besoin de nos dua. C'est nous qui avons besoin d'eux. Quand le petit s'attache au grand, qui c'est qui en profite? Le petit. Et nous, on est des grands ou des petits? Hein? On est des rien. Ni grand ni petit. Alhamdulillah. Aïro. عمر comment on peut surpasser les épreuves qu'on a dans notre vie? Surmonter les épreuves de la vie. Si tu veux les surmonter toi, et par toi, tu ne pourras pas. Ils deviennent insurmontables quand tu les affrontes par ta force, à toi seul. Au contraire, ils prennent de l'ampleur et de la grandeur. Plus tu les affrontes, plus ils deviennent grands.
faut affronter la vie par Allah. L'homme, il est très spécial. Il peut être d'une grandeur et d'une noblesse extraordinaire. Il peut être d'une petitesse et d'une aussi extraordinaire. Si je viens chez toi, Ilyes, et je te dis, qu'est-ce que tu veux pour être content, heureux dans la vie? À n'importe quelle façon, pas que Ilyes, même moi. Je te demande, qu'est-ce que tu veux pour être heureux dans la vie? Alors, tout de suite, je veux que mon travail soit comme ça, ma voiture soit comme ça, ma femme soit comme ça, mes enfants soient comme ça, ma maison soit comme ça. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou je suis seul dans ce cas? C'est ça? Alors, il va essayer de parler tout ce qui l'entoure et que pour lui fait sa vie, et jamais il te dira, je veux moi que je sois comme ça. Il pourra jamais, il veut que tout change autour de lui et pense pas son changement à lui. Il veut que tout le monde change et lui, elle reste le même. Alors que pour tout changer, on se change. Pour changer la vie qui t'entoure, il faut que tu te changes toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit clairement, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas ce qui est autour de toi avant que tu te changes toi-même. Donc au fait, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, les problèmes que tu vis et qui t'entourent, c'est des problèmes qui viennent de toi. Et tu les vois comme des problèmes parce que toi, tes lunettes et ton moyen de vision, elle est défaillant, est tronquée, est plein de saleté. Il te dit, pour que le monde change autour de toi, va, lave tes lunettes et essuie-les, et tu verras que les choses changeront autour de toi. Donc, si tu penses aux problèmes et tu veux affronter les problèmes, ça va te rajouter que malheur sur malheur. Et tu affrontes un problème et tu le résous. Après, c'est fini. Hein? Ce problème, après ce problème, il viendra combien de problèmes? 10. Et tu dis, ça y est, le jour où je vais résoudre ces 10 problèmes, tout va être parfait. Et tu rentres dans ce labyrinthe, tu te sens plus, cet engrenage, tu ne t'en sors plus. Et tout ça, c'est une bénédiction d'Allah. Heureusement que Allah a créé les choses comme ça. Parce qu'à un certain moment, tu dois te dire, mais où est-ce que je vais? Je m'enfonce, je fais que m'enfoncer. Problème après problème, 10 problèmes avec chaque problème, mais je ne vais plus m'en sortir. Et tout ça doit te pousser à chercher autre chose. Tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça doit te ramener à Allah. Alors, si tu veux affronter les problèmes, même si c'est un oxymore ce que je vais dire, si tu veux affronter les problèmes, donne-leur le dos. Oriente-toi vers Allah. On peut dire affronter, donner le dos dans la même phrase? On dit que c'est un oxymore. Donc, je ne te dis pas qu'il faut laisser tomber les problèmes. Affronte les problèmes. C'est bien. Essaye de les résoudre. Mais pas par toi. Mais en t'orientant, barra, haram C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il nous a fait beaucoup d'allusions à ce sujet. Par exemple, les 5 prières. Les 5 prières, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des points d'arrêt nets
dans notre journée. Quoi que tu fasses, tu dois tout jeter et t'orienter vers la prière, t'orienter vers Allah. C'est pour ça, quand l'homme se réveille le matin, il passe toute la matinée. Quand on se réveille le matin, on se réveille comme des fous. On veut faire ça, et faire ça, et faire ça, j'ai assez à faire. Et puis il vient la prière du dhuhr. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait l'appel de la prière du dhuhr, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, allez, debout, allez éteindre les feux que vous avez allumés. En faisant la prière, on éteint les feux qu'on a allumés. Quel feu? Le feu de l'ghafla. C'est-à-dire toute cette énergie, ces préoccupations et ces pensées qui étaient dirigées que vers la vie matérielle, qu'est-ce que ça génère? Du feu, ça veut dire le feu de l'ghafla, de l'éloignement et de l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, debout, allez faire la prière, c'est-à-dire allez éteindre les feux que vous avez allumés. Donc, tu veux affronter les problèmes? Udkurillah. Udkurillah. C'est pour ça que Cheikh, tous les chouyours, qu'est-ce qu'il n'arrête pas de répéter? Udkurillah, 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 Udkurillah. Pourquoi ils le disent? Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit, Alladhina amanu udkurullaha dhikran kathira. Faites le dhikr d'Allah énormément, beaucoup. Donc, ce qui était problème, quand tu fais le dhikr d'Allah, devient une facilité. Moi, il y a des gens que quand ils sont malades, par exemple, il est malade et il est malheureux. Oui ou non? Il est malade et il est malheureux. Comment je vais faire pour mon travail, pour qui c'est qui va faire ça? Il croit que le monde, il va s'arrêter de tourner. Parce que lui, il est alité. Il est au lit. Moi, je vois des gens dans mon travail que quand ils sont malades, ils sont super contents. Ils disent, Alhamdulillah, Allah, il s'est rappelé de nous. Il s'est rappelé de nous. Ça veut dire que c'est comme Allah nous avait oubliés. Et maintenant, il s'est rappelé de nous. Qui c'est qui m'a donné la maladie? Allah, il me l'a donné pour me faire du mal? Allah ne fait pas de mal aux hommes. Pour me faire du bien, pour que je reste chez moi, pour que je ne reste pas dans mon tourbillon, et pour que je fasse son dhikr. Tout le temps, j'ai mal. Allah, 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 et je deviens humble et je deviens gentil. Et toute cette force et cette fureur disparaît. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc Allah, il t'a fait du bien ou du mal? Donc ces hommes-là, dans leur simplicité, ils disent que Allah s'est rappelé de moi. Alhamdulillah, Allah, il s'est rappelé de moi. Et ça, c'est une histoire qui est arrivée à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une femme qui voyait que son mari lui arrivait rien. Tout allait bien, la santé, le travail, tout, 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 tout. Et puis à un certain moment, il a dit à son mari, on va chez Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour divorcer. Il dit, pourquoi on divorce? Il dit, je te dirai ça devant Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il n'arrivait, il dit qu'il lui arrive rien de mal. C'est mauvais signe pour elle. Et puis en allant chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le chemin, le monsieur, il a cogné sur une pierre, il a eu l'ongle arraché et il a saigné. Et quand il a visité, il a dit, Alhamdulillah, c'est plus la peine, on rentre chez nous. On rentre chez nous. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois il était avec ses compagnons, il leur a dit, vous aimerez bien vivre avec la bonne santé, avec l'argent, ne jamais tomber malade, être toujours en forme et d'attaque, comme on dit. Alors, Sahaba, ils ont dit oui, ya Rasulallah. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous voulez être comme des ânes
libre dans la nature, à courir tout le temps. Tu veux être toujours, tu veux être un animal en pleine santé qui ne tombe jamais malade. Donc, ce qui était problème devient une chance et une facilité. Et toi, tu dis que j'ai un problème. Tu n'as pas de problème. Le problème, c'est toi. C'est toi le problème. Donc, Udkurillah. Udkurillah, Udkurillah. Udkurillah. Et tout change. Tout change. On essaie d'embellir et d'expliquer, et tout se résume à un seul mot. Udkurullah. Allah, 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 Allah. Peut-être qu'un jour ton cœur rencontrera la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu auras de la clairvoyance pour voir les choses à leur juste taille. À leur juste taille. Mais quand tu fais le dhikr d'Allah, tu deviens grand et tu prends de la hauteur. Et ce qui était grand devient petit. Mais quand tu t'attaches à toi, au matériel, à l'argent, à la vie matérielle, qu'est-ce que tu deviens grand ou petit? Tu deviens petit et tous les problèmes deviennent grands, insurmontables. C'est pour ça que les gens se suicident, prennent des anxiolytiques, parce qu'ils essaient d'affronter les choses par leur force et par eux-mêmes. Allah, vous avez une chance extraordinaire, inouïe, d'avoir la possibilité de faire du dhikr d'Allah. Et on ne se rend pas compte. Allah, ne fais rien. Allah, 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 et tu verras. Laisse les choses. Alhamdulillah. Omar, est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive dans cette vie sans l'autorisation d'Allah et la volonté d'Allah? Une toute petite chose. Ça, par exemple. Ça s'est fait sans la volonté d'Allah. Goul, ya Omar, goul. Hein? Hein? Donc, s'il fait les choses, lui, on doit être tranquille ou bien d'avoir des soucis. Puisque c'est Allah qui l'a fait. Donc, c'est un bien ou un mal? Hein? Allah nous veut du mal. Allah nous veut du mal. Là, si nous voulions du mal, il nous ferait disparaître hein, en un clin d'œil. Allah ne nous veut pas du mal. C'est nous qui l'interprétons comme un mal, mais ce n'est pas un mal. N'y a pas de mal. C'est nous, notre vision des choses, qui transforme le bien en mal et le mal en bien. N'y a pas des gens qui sont heureux quand ils boivent de l'alcool. Ils voient que c'est un bien. Et il y a des gens que quand ils prient, ils voient que c'est un bien. Pourquoi Allah, il voudrait que celui-là, il ressente le bien dans le mal et celui-là le mal dans le bien? Tout vient de toi. Donc ne vis pas par toi, mais vis par Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, c'est quoi la réponse à ta question? Udkurillah. Udkurillah. D'ailleurs, ça, on se rend compte de cette chose que. Par exemple, dans ce genre d'assemblée,
Avant, on rentre, on avait des soucis, et puis on s'assoit et tout s'évapore. On se pense que c'est parti. On oublie les soucis, on oublie les problèmes, et on est dans une autre dimension. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça veut dire que les problèmes qu'on avait, ils sont partis, ils sont pas partis, ils sont toujours dehors, ils t'attendent, ne t'en fais pas. Mais ils commencent à prendre leur juste dimension. Avant, ils étaient grands. Mais là, tu grandis, ils deviennent petits. Et quand tu ressors, tu vas redevenir petit, ils vont redevenir grands. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Qu'est-ce que je dois faire, Amar? Hein? Ça veut dire être toujours avec les gens qui nous rappellent Allah. Tiens. Ça, non. ساعة الساعة العاشرة عدنا ساعة إلا 10 لا الساعة 9 إلا 10 50 دقيقة 50 دقيقة مناح ولا مكفيهم 60 كملهم 60 سيبوا احنا بتكفونا كل النهار نعم لو بتكفونا كل النهار ما نقولش لا إله إلا الله مهدي Comment appeler les gens à Allah sans être maladroit, avec une bonne lien. Comment on doit s'y prendre pour les inviter à Allah? Il y a une règle en psychologie qui dit que les enfants se font beaucoup influencer par les parents, par leur état d'esprit, et ils insistent sur un truc. Ils disent que l'enfant est très influencé par l'état réel qu'ont les parents, pas par l'état qu'ils se forcent à montrer. Même si les parents essayent de montrer que ça va, qu'ils sourient, qu'ils essayent de mettre le masque devant les enfants, ça ne marche pas. Ça veut dire que l'esprit de l'enfant, il est tellement sain et blanc qu'il capte les ondes négatives que dégagent les parents, même s'ils mettent le masque, le bon masque. Donc, déjà, il faut se poser la question, pourquoi je veux appeler les gens à Allah? Parce que pour chaque acte, soit ça vient de nefs, de ton ego, soit c'est un acte purement spirituel. Et quand ça vient de ton ego, ça ne donne pas de résultat, ça ne marche pas. Alors pourquoi je veux appeler les gens à Allah? Il y a le point cet amour. Deux personnes peuvent avoir le même discours. Il a beaucoup plus d'influence que l'autre parce qu'il a de l'amour. Et la personne qui est en face, ton interlocuteur, la personne qui est en face de toi, elle ressent ça. Elle ressent que tu l'aimes. Et tu tiens à elle. Il le ressent. Et involontairement, il t'ouvre son cœur. Parce que tu vois que tu t'intéresses à la personne. Et là, il y a des signes pour savoir si on fait l'appel à Allah avec notre ego ou bien par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quand tu fais dua la nuit chez toi. Est-ce que tu fais dua pour cette personne? Alors, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam,
Qu'est-ce qu'il a fait quand il voulait appeler les gens à Allah, subhanahu wa ta'ala? Il les a appelés par amour ou bien il voulait créer un nouveau parti politique pour avoir des pouvoirs? Par amour. Et ça, il l'a montré, il a exprimé ça à sa famille, à ses proches. Il leur a dit, si je vous dis qu'il y a des ennemis qui viennent et qui vont vous attaquer, est-ce qu'ils vont, vous me croyez ou vous ne me croyez pas? Il leur disait, je peux mentir à tout le monde, mais pas à vous. Vous êtes ma famille, vous êtes mes proches. Si je peux faire du mal ou bien vouloir du mal ou bien mentir, je le ferai à tout le monde, mais pas à vous. Et eux, au fond d'eux, ils savaient que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était sincère, parce qu'ils le connaissent. Et avec cet amour, qu'est-ce qu'il a fait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Quand il voulait, la première fois, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Wa andir ashirataka al-aqrabin », ça veut dire, appelle à Allah tes proches, ta famille. Qu'est-ce qu'il a fait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Un repas. Combien de chameaux il a égorgé? Deux chameaux. Il a préparé un repas. Et ça coûte cher d'égorger des chameaux. Et Nabi Sallam, il a préparé le premier repas. Il les a invités. Et quand il a voulu commencer à parler, il a voyé qu'il n'y avait pas de, il n'y avait pas de possibilité. C'était bloqué. Et Nabi Sallam n'a rien dit. Il a organisé un deuxième repas. Parce que chez les Arabes, quand tu manges chez quelqu'un, tu deviens redevable. C'est-à-dire, s'il te demande quelque chose, tu dois prendre au sérieux sa demande. Il a organisé Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un deuxième repas. Un troisième repas. Un quatrième repas. Jusqu'à ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait plus les moyens. Alors, Sayyida Khadija, sa femme, lui a dit, moi, j'ai de l'argent. Alors, si tu veux appeler quelqu'un à Allah, qu'est-ce que tu fais? Tu suis sunna. Qu'est-ce que tu fais? Tu invites. Alors appelle-moi Allah. Tu invites, tu montres de l'intérêt, de l'amour, du doigt. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Il faisait du doigt pour eux. Quand il veillait la nuit, pourquoi il veillait la nuit? Pour faire des contre eux ou bien pour eux? Pour eux. Ils passaient des nuits et des nuits à demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah ouvre leur cœur à l'islam. Donc, l'amour qui se manifeste par dua et par on dit le chemin le plus court pour atteindre le cœur est l'estomac. Jazakumullahu khairan.